C'est Cocom71, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc là, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc pour les camouflages secrets, hein. 10 nouveaux camouflages secrets donc, qui a été découvert par un américain. Donc voilà, donc on les a jamais vus. Hein. Donc j'espère qu'ils sortiront quand même un jour. Donc je pense aussi que vous avez vu que je vais envoyer cette vidéo à The Community Code. Vous avez vu l'intro, je pense, au début. Donc je vais aller voir les camouflages m'ont vraiment mais épaté, tellement qu'ils étaient jolis. Donc voilà. Allez, on commence tout de suite avec le premier camouflage. Donc le camouflage tigre bleu, donc, qui était déjà présent dans Black Ops 1. Donc voilà. Donc un très joli camouflage. Donc c'est sûr, il ressemble un peu à la couleur bleue, je crois, dans Black Ops 2, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, donc je trouve qu'il est quand même pas mal. Hein. Voilà. Après, on enchaîne avec le camouflage Flora. Donc je trouve aussi qu'il est vraiment joli. Donc il est aussi présent dans Black Ops 1. Donc je pense en fait ils ont repris les camouflages de Black Ops 1 un peu. Voilà. Après, on enchaîne avec le camouflage Nevada. Aussi dans le camo dans le bla De, non, excusez-moi, dans le Black Ops 1. Donc aussi, hein. Voilà, donc je trouve celui-là, il me plaît pas trop non plus. Voilà, donc donnez votre avis dans les commentaires. Après, alors le tigré, camouflage tigré, donc présent aussi dans Black Ops 1 encore. Vraiment, okay, celui-là, il est vraiment mais trop beau. Enfin, en fait, il ressemble vraiment au camouflage élite. Enfin, c'est presque exactement le même. Voilà. Voilà, il est pas mal aussi. Après, on enchaîne avec le Pack-a-Punch. Voilà, camouflage Pack-a-Punch. Donc, le camouflage de zombie. Hein. Donc, franchement, celui-là est vraiment super, je trouve. Ça brille tout, c'est vraiment bien. Surtout que c'est la première fois qu'on a une couleur comme ça, un peu multicolore. Alors, après, ça, c'est mon préféré, le glace bleu. Alors, franchement, vous avez vu comme il est beau. Oh là là, avec le balista, il est vraiment trop beau. Donc, je pense que ça fait un peu la lumière. Glisse, regarde, vous voyez, dans le noir, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu comme Ghost, ça brille dans le noir. Ouais, c'est pas, ça fait bizarre. Après, on enchaîne avec le Sahara, donc qui était présent dans Black Ops 1 aussi, bien sûr. Donc celui-là, me plaît pas trop. Ouais, bof. Ouais. Voilà, Sahara. Donc, après, on enchaîne avec la couleur Dev. Donc cette couleur change de couleur automatiquement. Vous allez voir, regardez, hop, bleu, jaune, vert, voilà, au rouge. Donc vraiment une très belle couleur. Moi j'aime bien cette couleur, elle est intéressante. Voilà. Après, on enchaîne avec la couleur Maraïs. Donc une couleur qui ressemble un peu à Floro, un petit peu on va dire, avec, qui est très jolie aussi, très jolie. Ça me fait penser ouais, dans Black Ops 1 aussi. Voilà. Après, on enchaîne avec le camouflage électrique, donc aussi mon préféré. Donc le premier camouflage animé, bien sûr. Donc franchement, je trouve il est vraiment très joli celui-là. Voilà, c'est tout terminé. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Allez, ciao à tout le monde. Zombie.